bienvenue sur ma chaîne YouTube! Aujourd'hui, je suis avec mon bestie Zozo Dumas! On vient juste tourner une vidéo sur sa chaîne YouTube, donc vous irez voir. Mm-hmm. On a essayé les Sour Bites. Sour Bites. Maison, on a fait une recette nous-mêmes. C'était messy, mais c'était délicieux. Aujourd'hui, on a eu l'idée d'expose vos influenceurs préférés en allant chercher le plus loin qu'on pouvait. Parce que j'ai trouvé des vieilles photos de mon Instagram et ça m'a fait le saut. Et je me suis dit, mais il y a des gens qui ont laissé leurs vieilles photos sur leur Instagram. Nous deux, on a fait un ménage parce qu'à un moment donné, on s'est auto-stalkés ensemble. On s'est rendu compte qu'il y avait du vieux stock qui faisait un petit peu peur. Sauf que là, on va aller voir. Ils ressemblaient à quoi vos influenceurs préférés il y a comme 10 ans? Qu'est-ce qu'ils postaient? Est-ce que c'était gênant? Est-ce que c'était cute? À quoi ça ressemblait? Je pense à être crunchy. Moi aussi, je pense bien. Commençons. Je pense qu'on peut commencer avec ton propre Instagram. Je sais pas pourquoi, j'avais tout screen mes posts Instagram, j'avais peur de comme perdre mon compte et de ne plus avoir. Oh my god, quand Instagram était tout bleu, genre partout. Oui. C'était pas la même application. Ouais. C'est vraiment un autre monde, genre c'est vraiment plus ça. Alors, on a quelques trésors. Ok, je vois aussi que tu likes tes propres photos, ça t'as fait ça longtemps, hein? Pour avoir un peu plus de likes. C'est parce que j'avais 28 likes, tu vois. Mais tu te rappelles-tu qu'avant, 10 likes, il était juste écrit les noms? Puis quand on avait 10, il a écrit 10 likes. 10, là t'étais comme. Ben oui. Boum! C'est vrai que j'allais avoir 9 likes. Mais quand même 28 likes. Ouais. T'étais populaire, là. Le filtre Rétrica. Of course. Le vieux sépia, genre jaune. 47 gemmes. Mm-hmm. On voit que tu likais encore tes photos. Puis je sais pas pourquoi, mais on coupait tout le temps notre front dans les selfies. C'est vrai. Genre pourquoi? Je sais pas. On voit juste. La mode pour attirer le regard. Un sourcil, mon gros nez, mes lèvres sèches. Oh my god, ça! Ça c'est bon là, mais on voit qu'il y a une augmentation de likes aussi à chaque fois. Ouais, ça c'est le fun. On your way to be influencer. Oh, Montréal. Montréal. Avec la caption. Non. T'avais pas le même handle qu'en ce moment? Non. Mais c'est-tu un autre compte ou non, c'est vraiment lui. Oh my ça, god. Ça, je me trouvais tellement aesthetic. Ouais, tu te trouvais genre Pinterest girl. Non, I was the shit là. Non! C'est tellement gênant. Impossible. Avec le filtre tricorne ensuite. En plus. C'était vraiment folle, crazy girl. Ouais, c'est ça, j'étais comme. It's giving horse femme... girl. Ouais, femme gymnaste. Femme cheval. Femme folle, femme artistique, penchée dans l'arbre, ouais. En noir et blanc. Je comprends. Ok, paysage. Ça, je trouvais ça vraiment Pinterest. Ça l'est. Honnêtement, c'est pas si pire, là. Genre, je peux voir l'effort. Ça, c'est comme, on tient le soleil. On a tout dans fait la main. Ça une fois. En caption. C'est à la framboise! Ok, encore un petit paysage. Ah, oh, mais. Je vois c'est qui? Ma soeur. Ok. Ça, je connais quelqu'un qui fait encore ça. On connaît tous quelqu'un. Okay. J'aimerais juste dire que ces photos-là, je les prenais avec ma tablette Samsung Galaxy Tab 4. Qui est comme grosse même, puis j'étais comme. Puis quand déjà, on s'entend que la qualité d'un cellulaire Samsung, moyen. Mais de toutes les tablettes. Ouais. Une tablette Samsung en 2014. Moi, Big Brother, là, c'était ça. J'avais une tablette pour me prendre en photo. Puis à chaque fois, j'étais comme. Je me sens comme en 2010. J'ai posté ça par moi-même. T'es où? T'es là? Je suis juste ici. Ah! Ça, je ferais des bons mimes avec ça. Ouh! It's even Gucci, Versace. C'est la soeur à mon amie, elle a oublié ses lunettes chez nous. Puis là, je faisais un photo. Ok. Ça, on dirait une pub de l'eau belle. Ouais, c'est vrai. Photographe, mon papa! Oh non. J'allais le matin! Ça, c'est ta pause fétiche, hein? J'ai même. Ça, où? Est-ce que tu t'en rappelles, genre en 2015, quand tout le monde était le même? Ben oui. Ça, ben c'était avant 2015, parce que moi en 2015, je faisais pas ça, mais ça, c'était vraiment, vraiment la mode, là. L'orage. Ma soeur m'avait obligé de le poster. Non. Je me sentais trop mal, mais fuck it. La requête. Ah mon dieu, ça t'avais clairement trouvé ça sur Pinterest. Non, ça je l'avais fait moi-même et c'était un message pour mon crush. Oh my god, en parlant de ça, tu veux-tu que je te montre de quoi que j'avais déjà publié pour mon crush? Parce que c'est vraiment dans le sujet. Dans le thème. Je suis allée sur Facebook. Moi, c'est mon Facebook. Tu sais, parce que Facebook, moi, il y a des vieilles affaires. C'est vrai, si tu vas sur son Facebook et t'es amie avec, il y a quand même du stuff. T'as pas fait ton message Facebook. Non, jamais. Puis dans mes photos, dans mes premières photos, là, je vais montrer, j'avais publié, c'est vraiment cringe pour. Mais après ça, j'ai sorti avec, c'était ma blonde. Mais j'ai publié. Ça s'en vient. Et toi, avec, t'as quand même du bon stock, là. Oui, j'ai vraiment du bon stock. Pourquoi t'avais Facebook à genre 8 ans? Je sais. Nous, il y avait genre des campagnes de sensibilisation à mon primaire. Genre, tu fais pas Facebook, c'est dangereux.
Je sais. Ah, mais. Ah, c'est ça! Non, non, non. J'avais dessiné au charpie sur mes doigts en 2011. Puis j'avais écrit haha. Et là, clairement, la personne avait répondu. Puis elle était comme c'est vraiment cute, nanana. Puis moi, j'étais comme oh my god. Genre, j'étais vraiment charmé comme ça. Puis je m'étais dessiné les doigts. Moi, avec, j'avais déjà fait ça. Mais ça l'a charmé et finalement. Mais moi, ça a changé, puis ça a charmé. J'ai sorti avec. Wow! Donc, c'est ça, c'était ma petite tranche de vie. J'adore! On a tous nos petits trucs. J'adore. Ça, c'était ma photo avec le plus de likes. Ben, c'est sûr, parce que t'avais utilisé la bonne technique marketing. Impossible! Oh my god! J'étais genre, pourquoi je get pas les boys, bitch? C'est impossible. On dirait que j'ai une affiche comme de décès. C'est vrai! Like, la photo de moi puis ma soeur. Ok, donc le mien, ça ressemblait à ça, c'était quand même. Bon, mais là, on s'attaque à qui en premier? Donc là, on va aller voir. Je te donne la selle. On va aller voir Brandon. D'accord. J'ai donc, on va scroller jusqu'au bout. Que Brandon était vraiment malaisant dans ses débuts. J'ai l'impression qu'il mettait des petites photos cute. Genre, il met des photos. Je suis sûre. Attends, je reformule ma phrase. Je suis sûre qu'il met des photos qu'aujourd'hui, il rit des gens qui font ça. Genre, c'est sûr. Ça se peut. Ça se peut. Il pose tellement, on est genre juste rendu à comme mieux. Mais c'est comme, ouais, c'est ça, c'est genre même pas l'année passée. A few moments later. Ouh, là on est quand même loin. Oh! Ok, on est au début. On est au début, la première photo c'était ça. Il ressemble tellement à mon cousin de même. Ah oui? Oh my god, ça c'est. Il était déjà influenceur à la base, hein, parce que regarde, il faisait une pub. La caption. Je me suis acheté un repas pour enfant, mais je suis même pas un enfant, je suis un tug. Tug life. Brandon, what is this? He's giving croquette. Ensuite, on a. Oh, Brandon le charmeur! C'est sûr qu'il était genre in the closet en ce moment. À ce moment-là, j'ai l'impression. Brandon, oh. Un homme à marier. Ouh, il mettait des hashtags. Hashtag flowers, hashtag beautiful, hashtag roses. Hashtag hot. Il était déjà influenceuse. Ok. On a des petites photos avec des animaux. Il a vraiment changé quand même. Oh my god, oui. C'est impressionnant. Oh my god, il a tellement l'air jeune! What? Oh mon dieu! Là-dessus, ça ressemble un peu plus. Ouais. Genre, il ressemble un peu à David Dobrik là-dessus. À cause de oh ça, my god, c'est vrai! Ok, là, c'est la phase. Ah! Ça, je pense que c'est comme ça qu'il a commencé à Doritos. Hein? Doritos, ouais. Donc là, on voit qu'il y avait déjà comme une tendance Doritos. Oh my god, son frère. Il était mangé. Il était déjà un intimidateur de son frère. Ouais, c'est ça. Les photos de bouffe. Encore les photos de bouffe. Il fait la même affaire aujourd'hui. C'est vrai, finalement. Hein? C'est enraciné en lui. Là. Je pensais quand même que ça allait être pire. Ouais. Pour le moment, c'est vraiment pas si pire. La première photo était quelque chose, mais après ça. What the hell? Je trouve qu'il a l'air plus gentil. Pascal! Non, je trouve que maintenant, genre, j'aurais plus peur de l'approcher qu'avant. Avant, il y avait trop de l'air doux, genre, on dirait que c'est comme. Ben, écoute, il y a des petites photos. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, il y a vraiment l'air gentil. Oui, oui. Genre, en ce moment, il y a l'air plus. Il y a l'air plus gêné. Ouais, là. Je pense que c'est pour ça. Je vois. Okay. Bon, ben, c'est bon pour Brandon. La prochaine, on va voir qui? Alicia Moffett, genre. On va aller voir Alicia Moffett. Ok. Mais elle poste pour de vrai. Genre, je pense que ça va être long aussi se rendre. Ouais, c'est ça. Comme Brandon, il avait posté 850 photos, comme c'est vrai que ça. Non, mais Alicia m'a fait, ça en a. Pour début. 826. C'est quand même pas pire. Là. Là, on peut. Ouh, ok, je suis rendue à la. Oh my god, on dirait tellement sa fille, puis ça doit être genre. Sa petite soeur ou sa cousine. Ouais. Ok, on va aller voir les photos d'elle. Elle était déjà vieux. Ouais. Ben, la peignure, par contre, comme on voit que c'est en 2013. Encore une fois, on voit pas le front. Je sais, c'était la mode. C'était vraiment quelque chose. Oh my god. C'est fou. Ouh. Mais encore une fois, le front coupé. Le front encore. C'était les coins d'image puis les fronts coupés. Tout le temps. Vraiment la mode. Mais physiquement, ça ressemble tellement à aujourd'hui. Comme... On dirait qu'elle a tout le temps été belle. Genre, ouais, on peut pas rire. Et genre. Oh my god, quand il était à la voix. Dans l'équipe de maths. Moi, je me souviens que toutes mes amies tripaient dessus, là, genre, quand j'étais au secondaire, là, ça m'a fait, là, c'était comme. The shit. Ouais. Moi, j'ai une photo avec, j'ai des petits jambes. Non. Je suis horrible dessus. J'ai genre pas de dents dans la gueule parce que je suis trop petite. Oh non. Mais elle a tout le temps eu un beau feed, genre. C'est vrai. Alicia,
C'est approuvé. Prof, c'est approuvé. Genre ça c'est en quoi? 2016, c'était genre c'était beau. le feed que tu voulais sur Mais IG, oui. Genre avec les palettes de maquillage, puis les sacoches, puis oui, le petit chien dans le coin. It was perfect. Honnêtement, rien à dire. Oh my god, cette photo là, ouais. Avec le flamme en rose, je me rappelle que c'était genre, je voulais être that girl. J'étais genre, c'est trop beau, c'est ça trop. T'a marqué. Tu sais, quand elle était full amie avec genre, avec Elisabeth Rioux, pis là, ils partaient tous en voyage au Waka, j'étais genre. C'était ton rêve. Ma vie de rêve. Ben, en parlant d'Elisabeth Rioux, j'ai son feed sous mes yeux. Ses premières photos, ça c'était comme les vieux filtres de Instagram. Tu sais, on mettait le carré, genre, ouais. Les lignes. Je sais pas. C'est tellement drôle de voir les gens qu'on suit qui ont liké leur first pic. Elle a liké? Non mais check, genre mettons, elle, je la connais. Ah, ok. Il y avait une tendance avec les petits carrés dans l'image. Mm-hmm. Je... Mais elle était à esthétique, elle aussi. Ben oui, full là. Ou la photo avec le vieux iPhone. Oh my god. On aime ça. Les lunettes, la toque, le dégradé des cheveux. Mais tu sais, elle aussi, elle a vraiment déjà un beau feed. Tu sais, on est en 2015. Mais quand ça, c'est sûr, c'est genre les premiers Waka, genre. Ah, c'est Triangle. Fait que... Oh! Oh! Elle a liké la photo, je l'ai unlike. J'ai liké une photo de 2016. Non, guys, ça c'est gênant. Ah, oh my god. Non. Ben elle avait déjà un très beau feed aussi. Pourquoi tout le monde fait chier de même? C'est juste moi qui étais malaisante, genre. C'est quoi qui se passe? C'est parce que tu sais, elle était plus vieille là. J'avoue. Mais moi j'aimerais ça qu'on aille voir ton Facebook. Mon Facebook? Non, ça c'est une des plus laides photos de ma vie. Moi, j'ai pas fait de ménage! Là. Ben non, là, c'est parce que c'est des beaux souvenirs en même temps. Tu sais, je me dis c'est laid, mais comme c'est fucking drôle à garder. Là. Genre, pourquoi t'avais sur Facebook à cette heure? Ben, en 2011, j'avais 12 ans. Fait que t'sais, pas si pire que ça. Il y a toutes mes photos qui ont reçu. Ouais, littéralement. Attends, ça j'avais écrit, je me souviens dans la côte. Ne te salis pas pour des personnes déjà sales. T'es-tu dans un pound à Saint-Lin, genre? Je suis dans ma backyard. Cette photo-là, c'est... It's something. Non. Ton cils font couper? Ouais. Une journée. Ouais, genre, ça c'est la pire. C'est tellement la pire en celle aussi. You wanna see a miracle? Be the miracle, pis comme... Non, hey, je prenais tellement de temps pour faire du Photoshop sur mes photos, là, c'était fou, là. Genre... Le tabarnak. Ça, t'as photoshopé ça. Ben là, check. Dans mes lunettes. Oh! Non, je l'avais pas vu ça. Ouais, genre, ça, t'as-tu vu? Ça aussi. T'as-tu vu ça? J'avais recréé toutes les One Direction. Ça, ouais. C'était de la bonne. Ça aussi, j'avais tellement pris de temps à Photoshop, c'est gênant. Oh, t'avais quand même beaucoup de... Noël. Non. Un jour. Non. Ça, c'est genre, poste une photo LED de toi, je nomine. Je n'ai pas bien le choix. Merci Sabrina et Jennifer pour la nomination de l'été. Non. Ouais. Ça, je me souviens que je me trouvais tellement beau, là. Mais non, t'en manques comme plus vieux, là. Genre, ma vieille père pichette. Non. Mais toi, t'es quand même du lourd. À date, c'est nous deux, les filles. Oui, et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est bad! Ou Claudie, c'est sûr, c'est bad. C'est tellement méchant! Non, Claudie, c'est sûr, c'est bad parce qu'elle aimait fucking se poster des photos avant ça, je sais. Tu sais, elle participait à toutes les télé-réalités, genre, elle avait fait le souper presque parfait, genre, elle essayait d'en fucking d'affaires, pis elle postait plein de capsules, des vidéos YouTube, tout. Fait que c'est sûr que vu qu'elle a commencé fucking jeune, c'est bad. Gloria Bella, elle aussi a commencé jeune, on va aller chercher quelqu'un qui va être à notre hauteur. Donc, on a ici Claudie. Je vous dis qu'il postait des selfies majoritairement. La frange, le collier! Oh, elle a tellement changé, ça. Oh my god! Check là! C'est cute! Elle est cute! Non, elle est vraiment cute! Les petites peaux, genre. On mettait tout le temps nos têtes fucking. Mais surtout les filles, étaient genre. Ouais, c'était vraiment la grosse mode. Claudie. Ouais. Elle faisait fucking de cheers avec toutes ses photos, c'est cheers! Check, elle était dans la même pose avec. Grande robe. Check ça. Non. C'est sûr. Oh. Cheers. Cute. Là, on a les photoshoots plus professionnels qui commençaient. Mais les outfits, hein, elle a revisité son style, là, ouais. Parce que
Good. Ouais. Ça, c'est un bon. C'est ça, n'importe qui a fait du cheer a une photo comme ça, littéralement. C'est tout le temps, genre, tout le monde qui fait du cheer, là, on s'entend que les maquillages, là, ça fait le soir. Je sais. Tout le monde les pose. Ah mon dieu, avec les cheveux noirs. Claudie, tu nous avais pas dit ça. Ça y va bien quand même. Mais ça la change tellement. Mais ça y va vraiment bien, j'aime ça. Ouais, moi aussi. Mais elle a l'air genre complètement d'une autre personne. Là, t'es dans sa pose, un souper presque pas. Ah oui? Ça, on dirait littéralement toi. Genre, il y a 54 ans. Eh, ça, on dirait la fille qui fait genre couple ouvert à découvert sur TikTok. Non, elle ressemble vraiment. Ok, là, elle commence à ressembler plus à la Claudie qu'on commence. Ouais, là, elle a les mêmes lunettes, c'est les cheveux blonds. Ouh! Regardez! Ça commence à ressembler, là. Ok. Là, ouais, là, on la reconnaît. Ouais, là, on la reconnaît vraiment. Mais les premières photos, c'est quand même choquant. C'est cute. Là, on est ici. Cassandra Bouchard, j'ai été en crash chez moi. Ah oui? Ok. Est-ce que c'est Céd qui dort n'importe où? Non. Mais non, mais là, je pense pas qu'elle était avec Céd à ce moment-là. Ben, on dirait. Ça fait quand même un bout là, qu'elle est avec. Ouais, c'est 2012, là. Ça fait 11 ans, là. Est-ce qu'on écoute ses vidéos? On peut. Avec la musique. Qu'est-ce qui se passe? Elle en faisait déjà des reels. Aujourd'hui, c'est la fête. Quelqu'un de bien spécial. Spécial, en quel sens? À gauche. Ok. C'est la fête à Gabriel Toupin. Oh! What? Le costume. Cute. Ok, mais elle faisait vraiment. Elle faisait déjà des reels. Elle de vie. Ah ça, on l'a tout fait. Moi, je l'ai fait en tout cas. J'ai une vidéo là-dessus. C'est bon. Ok, mais elle était déjà drôle. On voyait déjà qu'elle allait devenir... Hey, elle avait donc les cheveux longs. Ouais, hein, c'est fou. Mais c'est vrai qu'on voyait déjà qu'elle allait devenir créatrice de contenu. Là, comme... Mais non, check, c'est ça. Elle était ben, déjà lavée. Ouais, mais ça, c'est 2015. J'avoue que c'est quand même... Ils sont vraiment cute ensemble. Mais oui. Puis encore là, on commence à retrouver la Cassandra qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Avec son chum encore. Ouais. Elle reste fidèle à son feed d'aujourd'hui. Ouais. Juste qu'elle a les cheveux plus crêpés. J'adore. Et plus long. C'est vrai. Mais à part de ça, slay Cassandra. You slaying that Instagram slay game. The house down. Yes, maman. Très cute, très cute. Approuvé. Mais le début, il était quand même un peu gênant. I got un que je veux vraiment aller voir, c'est Rémi Desgagnés. C'est sûr que ses premiers posts. C'était quelque chose parce que c'est ça qui m'a fait penser, c'est qu'il likait les posts à Cass en 2013. C'est vrai? Fait que ça veut dire qu'il était actif en 2013 sur les réseaux, pas le ça choix. Ça se peut. Ouh là là, ok, là guys, Jérémy Desgagnés, t'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Montre. Qui est cet homme? Oh my god! Qui est cet homme? Je sais pas, hein, c'est fou. C'est en quelle année? 2015. Quand même. Oh my god! Il a l'air d'un viking, genre. Il a l'air d'un personnage de jeu vidéo. Ouais, genre un pas un humain, comme il a l'air d'un personnage mythique. Mais c'est sûr que le photographe, il a genre fucking... Mais oui, mais c'était... Face to... Parce que ses yeux sont... Oui, oui, c'est ça, son personnage. Oh my god. Il avait des stretch. C'est des faux. Je pense que c'est juste des grosses... Il a dit « When I had a baby face », c'est sûrement une vieille photo. Quand il a eu Instagram, il l'a repost. Je comprends. Oh my god. C'est quand même fou comment il a changé, hein? On dirait que sur chaque photo, c'est pas lui, genre. Ouais. Ouh, hot man! Dali! Ouh, coquine! Oh my god! Rémi était coquine. I'm like a bug! Oh! Il se montre le cul des mountains! Oh, bon, cabane! Ouh, he's giving serveur look. Il était à Vancouver pour des... Encore une fois, viking! Ben là, oui, mais là, c'est sûr, là, dans la fourrure. Ça l'aide pas. Là, il commence à se ressembler plus à aujourd'hui. Oh, les petits cheveux de même, ça, on n'a jamais vu non, ça, hein? C'est vrai.
nobody wins. Ça, c'est vraiment drôle aussi, les captions. Parce oh que my God. Ouais, les maintenant, on y a les genres de captions. Ouais. Mais avant, il fallait que ça soit. Sérieux et inspirant, genre. Intense. Je sais. Fallait que ça soit, genre. Mais il y a une tendance avec ces captions. C'est tout en gros. Ouais, mais moi aussi, je faisais ça dans ce temps-là. Je faisais des espaces entre mes lettres. Oh my God, tu sais, ça doit être son premier partenariat. C'est vrai, hein. Ok, puis là, le reste, genre, on connaît le même. Ouh, il y a des cheveux de Bosca. Ça, ça va bien, pas. Moi, je trouve. Je trouve que ça y va vraiment bien. Il devrait le pull out plus ouais. souvent. La grosse barbe aussi, c'est rare. C'est vrai. On redécouvre un nouveau Rémi. Bring back. Bring back la grosse barbe et la Bosca. La Bosca, c'était c'est vraiment cute. On aime. Ah, qu'est-ce qui était bon aussi, c'est les anciens TikTok à Rémi. J'y ai eu accès ah oui. avant qu'ils effacent. J'ai du lourd dans mon site. Ah oui, oh my god, j'ai jamais vu ça. On va terminer avec Camille Fried. Parce que tantôt, en regardant mes vieux posts Instagram, on a vu que je screenais ses photos parce que je la trouvais trop belle. Fan behavior. En 2016. Exactement. Et je pense qu'elle postait quand même beaucoup, là. Oui, oui, oui. Mais oui, elle avait même genre une chaîne YouTube, là, full suivi avec Alice, puis. Roman. J'écoutais leur vidéo, genre, c'était comme la squat de Subito Texo, c'était ouais. d'une chaîne YouTube. Je regardais toutes, j'étais fan en bord. Et là, on va aller restocker ce qu'on a vu dans le temps. Toi, la suivais-tu avant de la connaître au cégep? Non, moi, je l'ai suivi quand j'étais dans la même classe qu'elle au cégep. Je me souviens, elle avait 65 000 abonnés sur Instagram. Elle était pas verified encore. Donc, première photo, on a Alice. ça fait genre de... Check les sourcils, c'est ça qu'on veut dire par les passes de sourcils. Je sais, on passe tout à travers ça. Hop, ça phase de danse. On l'a tout fait dans la clôture. Ça, ouais, ça c'est la pose de... Oh. La vieille photo de groupe, genre... Tout le monde est comme PINK! Ok, les photos de groupe étaient en mode... Oh. Ça c'était vraiment tug, là. Ça c'était nice. C'était nice. Dans un kaboom. Et ça, c'est en 2014, là, elle était genre au primaire, là. Oh, Lord, oui. Ok. Ok. Wow. Wow. Moi, c'est ma préférée dans ce texte. Ah oui? Oui. Oh my god. Oh. Elle se sent tellement pas. Ah, parce que j'ai liké! Bon, elle faisait déjà des pubs de Magno. Oh, ça c'est une bonne, là, genre... Brouillé, le petit... La tuque, l'œil coquin, genre... Le front coupé. Ouais, ouais, ouais. Le filtre et tricot. C'est du son, chum? Non, je pense qu'elle jouait avec. Ouais. On a la face triste aussi, qui était populaire parfois. Ouais, ouais, ouais. Question de faire un peu petit. La face surprise. Avec les lunettes! Tu likes encore ses photos? Blue glasses? En fait, tu likais littéralement toutes ces photos. Arrêtez. Oh my god. Ok. Ça, je l'ai pas liké, tant ça, je l'ai liké. Tu l'as pas liké parce que t'es oh pas my god, la jupe de Saint-Jean Vianney. Wow. Le petit dog face, genre. Ouh. Le dog genre... face again. Ouais. C'est le même sel que l'autre elle avait sur sa photo. Ouais, que j'avais, c'est un 5S. Love that. Ouh, ça c'était cool. Les tresses la même. Bon, mais là, à ce moment-là. Là, elle était rendue plus professional. Elle était rendue plus professional. On voit que. She was giving selfie realness. Ah, mais yeah. Ça restait. C'est resté, le bandeau, ça s'est resté quelques années quand même. Le bandeau caché, là. Ça, c'est quand elle a fait le banquier, je me souviens. Puis là, rendu là, ça ressemble pas mal. Ouais, là, on est rendu à... Mais le bandeau est de mise, encore une fois. Elle arrête plus. Elle s'arrête plus, là. Encore! Camille! Elle était comme qu'elle se presse pas ça, mon outfit. Genre. Mais là, moi, je me souviens que je l'ai connue dans ce temps-là. Là. Ça, c'était son feed IG quand je l'ai connue. J'étais comme, my god, elle est tellement belle. Tu voulais sortir avec? Non, je voulais pas sortir avec, mais j'étais comme... Mmh. Elle est tellement belle. T'as essayé du papillon dans le ventre. Ben non, je pourrais vous dire. Puis là, elle a commencé à faire des pubs pis tout. Puis là, on était comme, eyo, les gens qui font des pubs, et maintenant c'est notre job. Puis check ça, c'est la première photo que je suis avec elle, dans son film.
Pourquoi t'as l'air, genre, d'un prof dans la photo? J'avais un petit look de prof, je me souviens que cette photo-là, je la trouvais vraiment bien. Let's cooking now. 27 000 likes! Girl! You are giving influencer! Slay the house now. Oh my god, ok, bon ben... Donc c'était quand même assez intéressant, c'était quand même crunchy. Mais j'aurais aimé ça que les gens aient plus de trucs honteux, mais je pense qu'ils ouais, ils font le ménage. C'est ça, ils ont tout fait comme nous, là, mais nous on est pire qu'eux. Nous on est pire qu'eux, ouais c'est ça, gênant. En tout cas, si vous trouvez quelqu'un qui a des bons IG crunchy, écrivez-le en commentaire. Si vous voulez une partie 2. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une belle vidéo. Ciao! Bye! Bye!